Donc on va commencer déjà par le titre. Donc le titre c'est leucodystrophie. C'est un mot compliqué. Point. Pour moi, pour ma part, ça fait 4 ans que je fais cette dictée. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de faire ça pour cette association, pour ces enfants malades et bien sûr c'est les familles qui sont au contact quotidien de cette maladie. Donc c'est toujours voilà, naturel pour nous de venir les soutenir par le biais de ces rencontres avec les jeunes, à travers les dictées ou à travers des dons. Donc voilà, ça nous tient à cœur de participer à ces choses-là. J'ai même appris le sens des différentes racines. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la dictée, mais il n'y a pas que ça. Avant, il y a eu une explication par rapport à la maladie, ils savent ce qu'il en est, ce qui arrive aux enfants. Donc c'est bien, ça les touche et on voit qu'ils ont envie de les aider parce qu'ils ont fait des actions dans leur collège. Donc et là, ils vont faire un cross vendredi, donc c'est vraiment une bonne chose. Ça fait un bon nombre d'années que je suis le parrain de cette association et c'est très important oui, pour faire partager, notamment auprès des enfants. On voit qu'ils sont très réceptifs et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin d'entraide et ils le comprennent bien que tout le monde, tous les enfants de leur âge n'ont pas la chance de pouvoir rien qu'écrire une dictée ou faire un cross, donc c'est très important d'être là. C'est intéressant que dès le plus jeune âge ils soient confrontés à ça, qu'ils connaissent un petit peu ce qu'est la maladie pour pouvoir plus tard peut-être participer comme nous à des choses comme ça. Là ça touche en plus des enfants, donc quand on en a en plus ça donne encore plus envie de s'investir et c'est très important de pouvoir le faire et d'être présent dans ces manifestations-là à chaque fois pour pouvoir combattre cette maladie et puis surtout donner du bonheur à des petits-enfants qui n'ont pas cette chance-là.